Il a sauté du canon. Alors, professeur, nous n'avons plus beaucoup de temps et presque plus de souris. Si vous ne m'interrompiez pas toutes les 5 minutes, je pourrais finir plus rapidement. Tu parles pas comme ça à mon frère, un peu de respect, tu veux, Joe. Écoute-moi bien, l'intello à lunettes. Si tu refuses de faire ce qu'on te demande et d'accélérer, le prochain repas que ce fichu serpent avalera, ce sera toi. Vous m'avez promis de me libérer une fois que j'aurai fini le boulot. Je ne veux pas que ma femme s'inquiète. Si tu te manes, tu seras avec elle ce soir pour le dîner. Allez, remets-toi au travail. Oui, d'accord. T'auras fini dans combien de temps? Eh bien, le venin est prêt. Ah, il y a bien, bravo. Les deux doses modifiées ici et la dose pure. Mais pour les phéromones, il me faudra encore un peu de temps, par contre. Bon, alors au travail. Oui. Problems, I look in your eyes. You like to know that I'm on your side. Little something, little gentleman, it's all in the case. Run, jump, solve the case, little slacks. Little slacks. My little slacks. Rex. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu crois sincèrement avoir une chance de gagner ces élections, Monte Rosso? Commissaire, personne n'est inférieur à personne. Tout est une question de confiance. Oh, le revoilà avec ses citations. C'est de qui, cette fois? Bizarre, tu es vraiment de l'ignorance. Pourquoi tu n'as pas posé avec Rex? Ça aurait été bien de montrer qu'il te soutient. Je préfère gagner seul. D'ailleurs, d'après mon indique, c'est moi le grand favori. C'est qui, votre indique? L'horoscope? Bonjour à toutes et à tous. Panier lancé. Tu peux y arriver. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as? Que l'effet narcotique du venin aura disparu, ils resteront complètement paralysés. Ils vont mourir d'une mort lente et pénible.
frère le plus monstrueux dont je pouvais rêver. Regarde-moi. Ils ont juste eu ce qu'ils méritaient. Tu as raison. Ils l'avaient mérité. Restons pas là. Tu le vois arriver, tu te trouves dans une chambre d'hôpital. Et pourquoi? Quelqu'un vous a repêché dans le fleuve, commissaire. Vous avez eu de la chance. Dans le fleuve? Quelqu'un vous a administré un puissant sédatif avant de vous jeter dans le fleuve. C'est quoi cette histoire? Tu as une idée de qui aurait pu vouloir se débarrasser de toi? Surtout, dis-nous si tu te souviens de quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que je rentrais chez moi avec Rex. Et où il est? Ça, c'est le deuxième problème. Rex est introuvable. Les plongeurs sont en train d'explorer la zone où on vous a retrouvé, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Nous sommes obligés de considérer l'hypothèse qu'ils aient infligé à Rex le même traitement qu'ils t'ont infligé. D'accord. Il faut que j'aille le retrouver. Non, commissaire, vous ne devez pas bouger. Il faut vous reposer. Nous devons vous faire d'autres analyses de sang et un tas d'examens. Interdiction complète de bouger pendant au moins 24 heures. Je dois aller chercher mon chien. Oh, commissaire, c'est bon, je vous dis merci. Doucement, allongez-vous. Je t'interdis de bouger de ce lit d'ici demain matin. Ceci est un ordre. Tu as tout intérêt à reprendre des forces parce que cette affaire me paraît particulièrement délicate. Je vous conseille de fermer la porte de sa chambre à clé. Croyez-moi, je le connais. Chef, s'il vous plaît. Demain arrivera. Reposez-vous, hein. Je vous tiendrai au courant. Je me charge d'ici fait. Surtout, reste calme, d'accord? Commissaire, nous sommes... C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est? Préviens la sécurité. Le commissaire Rivera s'est échappé par la fenêtre. Regardez ce qu'ils font. Venez voir. Voilà. Inspecteur Monterosso, avec cette moustache, vous avez une vraie tête de vainqueur.
Fichez le camp, dégagez. Allez, fichez-moi le camp. Allez travailler plus vite que ça. Ne discourons point d'eux, mais regarde et passe. Ben, moi, je veux qu'on en parle. Pour moi, c'est leur façon de vous soutenir. Oh, Bizzari, sois gentil, va m'enlever ça. C'est ridicule, allez. Psst. Hey, Monterosso. Monterosso. Ici. Commissaire, vous devriez être à l'hôpital, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dois retrouver Rex. Hors de question que je reste dans une chambre alors que mon chien a disparu. Tu me donnes un coup de main? Oui, bien sûr, commissaire. Ok. Couvre-moi auprès de Goris. S'il me voit, il va nous faire une crise. Ok, je vous couvre. Attends. Va dans mon casier, tu y trouveras un boulot. Apporte-le-moi, je serai dans le bureau des opérations. D'accord, j'y vais. À l'action. C'est dingue. Il a déjà tout pigé. J'ai même pas eu besoin de siffler dans ce truc. On doit commencer par où? J'en sais rien. On doit trouver qui pourrait avoir un mobile valable pour me tuer et enlever Rex surtout. Vous pensez vraiment que le coupable a pu garder Rex? Si on avait seulement voulu se venger, vous l'auriez retrouvé dans le fleuve avec moi. Je peux t'assurer que c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Ah, j'ai retrouvé mon commissaire. Tout le monde dehors et en vitesse. Monterosso? Non, on était en train de... Monterosso. De revoir des dossiers qui... Filé. Je vais te dire, David, c'est vrai que tu es le meilleur policier qui soit jamais passé dans ce commissariat. Le meilleur que j'ai jamais connu. Seulement avec tes méthodes que je qualifierais d'approximatives, tu m'obliges en permanence à te remonter les bretelles. Mais ce n'est pas vraiment ça qui me dérange. Je vais te dire ce qui me dérange. C'est ta manie de me désobéir. Et aussi, que tu le fasses systématiquement. En fait, en réalité, c'est pas que ça me dérange. Non, ça me rend complètement cinglé. Je sais, mais... Quand je te dis non, quand je t'ordonne de rester à l'hôpital, tu vas me faire le plaisir qu'Arthur n'a le devoir d'y rester. Et oui. Le fait que tu sois inquiet pour Rex, comme nous le sommes tous, soit dit en passant, ne te donne en rien le droit de me prendre pour un imbécile, ni de venir te cacher dans cette salle pour étudier des dossiers comme un voleur. Mais si tu veux vraiment le faire, fais-le au moins correctement installé à ton bureau. Vas-y, et plus vite que ça. On n'a pas une minute à perdre. Nous avons un fumier à attraper. Le fumier qui a enlevé Rex. Vous ne pouviez pas aller faire vos analyses à l'hôpital comme une personne normale? J'ai besoin des résultats au plus vite. Et puis, je crois que je ne leur ai pas laissé un très bon souvenir. Vous les aurez dans 24 heures. D'accord. J'ai jamais...